Il y a 45 ans, le père Roland Brunel fondait l'Orchestre symphonique des Jeunes de Joliette. Regroupant plus de 100 musiciens de la région de Lanaudière, l'orchestre compte trois formations. Les petits violons Roland Brunel, l'Orchestre symphonique de la Relève et l'OSJJ. Bien que la mission première de l'organisme soit pédagogique et qu'elle vise le développement musical via le répertoire symphonique, les jeunes musiciens présentent régulièrement des concerts de qualité sur les scènes lanaudoises. Des initiatives comme le programme des ambassadeurs et des collaborations avec plusieurs organisations culturelles, telles que la Symphonia de Lanaudière et le Festival de Lanaudière, permettent aux membres de découvrir différentes facettes de leur art. Outre une solide formation par des directeurs dévoués et une discipline par la musique, l'Orchestre symphonique des Jeunes de Joliette offre à ses membres un milieu de vie rassembleur et stimulant. On y a vu s'épanouir plus de 1500 musiciens au fil des ans, dont plusieurs sont devenus professionnels. Véritable pépinière de talent musical, le fondateur de l'orchestre se réjouirait certainement d'entendre la relève d'aujourd'hui.